Ma Mission TV, le miroir du monde. La femme congolaise, et voilà comment il pose pour la postérité avec la Madame Eve Bazaïba, vice-premier ministre et ministre chargé de l'environnement et du développement durable, qui est au milieu d'un côté le premier ministre et de l'autre le président de la République. C'est dire que les soko totali mo kambiolo na photo ya libota za ko kangana ba ministre esengo eseko munisama esengo ezako te sa to likita ya uti ko kamba lolenge ka dimanche maleki kati na boboto bonde ko bolingo lisanga bomoko poto tombole ko la biso Congo démocratique photo e yambo ezalaki yeme pene pene na balandia ministre mokosi lolenge bazali ndenge balubula ki bango pesika na moni wana mokambe ko la telemi azali penesika na ministre mokonzi na ba ministre ba susto kotala simabili ko yusa bino lolenge kani bazali wana ezali photo ya libota photo eye ezali lolenge babeka ka souvenir te likita lia yambo lieye oti ko kamba na ba imbula matari moko mwalelo bango bana bozali komona bango moto moto akoseka ekwa nga bezi boko kya bazana koseka sika ezali photo na ministre mokonzi na ba mama kaka ba mama te ezali photo na ministre mokonzi na ba mama bazali pene na zomi na batano kata mbula matari iye eza kotali saete ya solo bazali baike pona kotombola misala bia ba mama bezi boko kya. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait insisté sur la représentativité de la maman congolaise au niveau du gouvernement. Ces choses faites et cette photo prouve à suffisance la détermination du président d'accorder une attention particulière à la femme congolaise. Et voilà comment il pose pour la postérité avec la Madame Eve Bazaïba, vice-premier ministre et ministre chargé de l'environnement et du développement durable, qui est au milieu d'un côté le premier ministre et de l'autre le président de la République. C'est dire que il n'y a pas de divergence politique. On voit d'abord l'intérêt de la République démocratique du Congo. Voilà, ce sont les femmes qui se succèdent une à une pour poser avec le premier ministre et le président de la République et le premier ministre. Ça sera des belles photos, certainement qu'elles vont afficher soit dans leur bureau, soit alors chez elles à domicile. Madame Astrid Okongo, quand on voit les dames comme ça à côté du président, détendues, avec un sourire suspendu aux lèvres, très jovial, ça vous fait quoi en tant que maman? Inanipatia kavumu pia kasifa kuona kwamba mama leo asilimia ya wamama asilimia 13 inaheshimika leo katika serikali, kwa kuona kwamba asilimia 20 na wanapatikana katika serikali, kwani wamama 15 ni mara kwanza kuona wingi wa wamama katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kisha picha ya serikali nzima na rais pia waziri mkuu, sasa ilikuwa duru ya wamama wote 15 wenye kupatikana katika serikali. Sasa ni kila mama moja kwa moja iko anakuja na ingia anakamata picha katikati ya waziri mkuu pia rais wa jamhuri. Kweli kila mama anakuja anakamata naye picha, ni hali ya kuweza kuonesha kweli kama rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anamheshimu mama ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia anampatia mama nafasi yake, kwani mama anapaswa kuikala nafasi yake. Ndiyo mfano kabisa huyo wenye rais wa jamhuri anaonesha katika serikali ya Union Sacree de la Nation. Mama anapewa nafasi yake, anapewa heshima, kuona kwamba mama leo tunaona wamama wengi leo wanaingia katika serikali. Ni ya mara kwanza kuona kiasi kubwa ya wamama katika serikali, sababu pale zamani ilikuwa mtakutana ndani ya serikali ni wamama 3-4, wamama 5, lakini leo tunaona wamama 15 ndani ya serikali. Basi ni jambo kubwa kabisa ya kuonesha kwamba haki ya wamama inaheshimikwa kabisa ndani ya serikali ya Union Sacree. Basi kila mama mwenye anapatikana katika serikali inafaa ajue kwamba anapatikana hapo ni kwa kuweza kutumika kazi katika hali inayostahili.
kweli mama moja kwa moja iko napita kwa kuweza kukamata picha na rais pia waziri mkuu. Basi rais anaonesha hali kabisa ya kicheko yenye kuwa kati ndani yake, hali ya kicheko mtaweza kuona kweli hata katika picha, katika sanamu hiyo mnaona hali ya kicheko yenye kuwa ndani yake kwa kuweza kuwa pamoja na wamama katika serikali hii kuweza kukamata nao picha pamoja. Basi hali hiyo sawa vile mimi na bini mama inanidamanisha kabisa, nasikia furaha ndani mwangu kuna kwamba leo wamama wanapatikana katika serikali ya bwana Sama Lukonde, kiasi njema ya wamama wako hapo. Nikusema kwamba wamama hawatatoa tena malalamiko zaidi ya kusema kwamba asilimia kila siku ulinganishi kati ya mama na mume katika kazi ya serikali, inafaa mama waweze kupatikana nafasi ambako wanachukua madaraka fulani ndani ya serikali, leo inaheshimikwa katika serikali ya Union Sacrée yenye kuongozwa na bwana Jean-Michel Sama Lukonde. Na kutokana na mkutano wa leo inaonesha kweli kama rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anaheshimu kabisa asilimia hiyo ya wamama ndani ya serikali, pia anamheshimu mama, anamtia mama nafasi yake bwana Blaise Bokokia. Cette photo du président de la République et du premier ministre avec les membres du gouvernement qui sont des femmes, ça doit certainement faire plaisir à toutes les femmes de la rédaction du journal télévisé, parce qu'elles se sont toujours battues corps et âme pour que la femme soit considérée dans la société. Je ne saurais pas citer les noms, hein. Je ne saurais pas citer les noms, sinon si j'oublie quelques-unes, je connais la rigueur et la détermination de ces femmes de la rédaction. Si j'en cite quelques-unes, je ne saurais pas, sinon je vais me justifier. Et quand je vais rentrer à la rédaction, mais c'est une image pathétique, c'est une image poignante de voir le président accorder une place prépondérante à la maman congolaise. Voilà les deux, le président de la République et le premier ministre, qui posent à leur tour pour la postérité à deux. Et ils sont tous jeunes, hein, ça il faut le rappeler. Ils vont amener de nouvelles méthodes de travail, une nouvelle énergie pour la direction de ce pays. Le président Roplan qui rentre dans son cabinet, qui rentre dans son bureau, finit ce premier conseil de... Vous avez remarqué, c'est bien l'entrée, très chers téléspectateurs, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui préside pour la toute première fois à ce premier conseil de ministres de l'Union Sacrée de la Nation. Vous aviez remarqué, tout le monde du gouvernement se sont mis debout, mais bien avant l'arrivée du président de la République, c'était le premier ministre Sama Lukonde qui avait fait son entrée dans cette salle. Et nous espérons que ça sera le président qui aura le premier à prendre la parole pour donner quelques d'orientation aux membres du gouvernement. Quelques instructions, quelques orientations, allais-je dire, aux membres du gouvernement qui se réunissent pour la toute première fois. Pour la botan bouche misala bon laïbo en haut au colanda na moulobéli en boulamatari et pas un ministre était mon comme ça mais après c'est un papier mouyaya à ce qu'au cas ma solo maïe et si gazem moulobéli en boulamatari quoi congo démocratique mais na boe bongo yewana talakabaye ban sobana bazaye baye boulamatari d'aki sa maman il est sambo à cela qui n'a boulamatari ou tu coléka yewana si gazem ministre pené na ministre à côté de la bikeri yabato na modeste moutinga bongo bana. Donc, comme on a dit à ministre, on a basali koya, kota c'était, il y a solo l'Italie, il y a qui n'a pas de colo, le tout là, kasi, tous les bébés, on a cité l'Union africaine pour la coco, mais moi, je quand on voit l'image de madame Osambo, très chers téléspectateurs, c'est une image frappante qui prouve à suffisance l'attention particulière qu'accorde
le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux personnes vivant avec handicap. C'est la raison pour laquelle cette dame, elle a certes des handicaps dans son corps, mais sa tête fonctionne. C'est la raison pour laquelle on doit s'atteler à sa tête et non se contenter de son physique. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a réservé une part belle à cette catégorie des citoyens congolais qui méritent respect et considération. En gros plan, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, nous aurons l'habitude de le voir régulièrement faire le compte rendu du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Il aura l'habitude de faire ses comptes rendus et certainement donner certaines positions qui concernent la République démocratique du Congo, parce que c'est lui et qui est le héros. Les héros, ce n'est pas les héros avec H-E-R-O-S. Les héros, c'est avec H-E-R-A-U, avec T à la fin. Donc, héros comme porte-parole. Et c'est Patrick Muyaya qui va jouer ce grand rôle-là de communicateur, à la fois de communicologue, pour sensibiliser la population sur les actions que mènent les gouvernements de l'Union sacrée de l'opposition. Ils ont quitté la salle, tous les membres, Adèle Kainda, elle est là. Ils ont quitté la salle, à l'instar de Modero Ntsimba, à l'instar de Didier Boudimbo, à l'instar de tous ces membres du gouvernement. Godard Motemo est en train de venir de loin. Il est là sur votre petit écran avec ces belles images de Jiren Skelani, avec la complicité de Maxime Androgwa et John Bidaya, qui réalise cette retransmission. Très chers téléspectateurs, je crois que après la photo de famille, ça sera la fin du gouvernement ou quoi, on le saura peut-être après. Ou alors ils prennent la photo avec le président qui a donné quelques orientations, ou le président va partir et puis la réunion va se poursuivre avec le premier ministre. Nous ne savons pas encore, mais c'est vrai que la RTNC est là. S'il y a quelques petites modifications, nous y sommes pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe ici au niveau de la cité de l'Union africaine en temps réel. Ma Mission TV, le miroir du monde.